Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne. On se retrouve pour du Command and Conquer et on va continuer la campagne du GDI. On se retrouve sur la mission 11. Donc ça va être nom de code Delphi. Il y a un agent secret qui est exclusivement connu sous le nom de code Delphi qui dispose d'informations sur Kane, donc Dunod et son laboratoire de biorecherche. Il faut débarquer sur une plage, avancer vers le nord pour le contacter. Le node va bien sûr offrir de la résistance pour ça. On va partir en difficulté normale et let's go. Les renforts sont arrivés. Allez, on va jouer avec les graphismes modernes. Alors, je me suis déjà fait avoir une fois, hein. C'est un piège. Faut surtout pas aller tout droit. Faut aller sur la droite. Longer la plage. Et recule bien pour éviter les coups. Ah nickel, on monte. On monte. Toi inclus d'ailleurs. Pourquoi tu suis pas? Donc j'ai déjà fait le début. C'est pour ça que je me suis déjà fait avoir ici. Faut surtout pas y aller. Faut bien s'installer par là, mais c'est compliqué. Hein. Encore. C'est encore de la mission qui se fait juste. Il faut bien optimiser un petit peu. Les unités qu'on sort, parce que c'est jamais l'opulence financière. Donc, le Tiberium est là, les unités, on va les positionner par ici en attendant. Déploiement impossible ici. Nouvelles options de construction. On va se mettre par là, on va déjà sortir une centrale. On va le réparer, le QG. On va sortir tout de suite la raffinerie. Nouvelles options de construction. Au plus près du Tiberium. Ah. À quelques visiteurs, on va sortir une caserne. Réparation en cours. Construction terminée. Bien chef. Je suis encore ici. Non, ils sont partout. On va sortir quelques mitrailleurs, parce que les grenadiers c'est quand même pas. Unité terminée. C'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. On va aller regarder un peu ce qu'on a au sud. Qu'est-ce qu'on sort beau? Ah, de toute façon, il va falloir une deuxième raffinerie. Hein. On va faire ça tout de suite pour sortir nos tanks au cas où. Ah là, on a du Tiberium. Oh, ouais, toi, tu vas te faire éclater. Construction terminée. Ok, donc ça, c'est fait. Il me reste quoi? 300. J'aimerais bien sortir un tank quand même, parce que si jamais il y a un tank, je suis assez mal. J'ai pas mal de grenadiers, mais... C'est quand même frileux tout ça. Hein. Et après quoi, je pourrais sortir un nouveau collecteur. Allez, ouais. J'aurai assez. Il vient de terminer, donc ça, c'est un bon point. On va sortir d'abord un tank. Et après, il y a quoi? Il y a le centre de communication. On va sortir pour avoir le radar, mais c'est... Ah, c'est un petit luxe quand même. On va attendre un peu. Oh, du lance-flamme. Ah, ça pique. Ça pique grave. Le temps qu'il y a chargé des lance-flammes plutôt. En les écrasant peut-être. Oh, merde. Oh, vite, ou oh. Mitrailleur contre bazooka, ça va bien. Ça fait mal. Ah, tu lances flamme à nouveau. Vite, flinguez-les. À nouveau du bazooka, allez, c'est parti. Eh bah, et on a encore. Ça me met à mal, hein. Donc, prochain coup, là, je vais pouvoir avoir mon collecteur. Donc, lui, il va rentrer. C'est parfait. On va tourner avec deux collecteurs. Ça va être idéal. On va pas sortir du VBT. On va sortir deux éclaireurs pour l'infanterie, pour explorer un peu. Là, on a l'air d'avoir du Tiberium. Donc, c'est bien. Allez, sors-moi le deuxième. Qu'on soit au moins un peu tranquille, là. Qu'on puisse se poser. Construction terminée. Oh, yes. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas ici. Chacun son petit... Petit gisement, après on pourra faire des héliports, mais ça sera vraiment après coup. Ça sera pour avoir les orcas, donc l'héliport est livré avec un orca. Donc ça va être une base de recharge pour munitions. Ça recharge, ça les répare pas, mais voilà. Donc les orcas pourront se réparer comme tout véhicule là-dessus. Allez, on va sortir le centre de communication. Ça devrait être pas trop mal. Construction terminée. Allez, on va se refaire une centrale électrique.
Il va falloir qu'on se fasse un centre de réparation bientôt également. Tu rattrapes moi lui. Ah, faut que je garde mon tank, hein. Et je l'ai perdu. Ah, c'est bien dommage ça. On se met une petite tourelle ou par ici. Là, ça peut être pas mal. Va falloir qu'on se ressorte un tank. On va falloir même deux d'ailleurs. Allez, on va explorer, voir un peu ce qu'on a ici. Donc, on a une plante de tiberium. Donc, ça, c'est bien. On va pouvoir produire un peu. Ah, c'est vrai que niveau animation, ça, c'est bien réussi. Hein. Ils sont vraiment fluides. Alors, en plus d'avoir augmenté les graphismes, enfin, de les avoir améliorés, c'est les animations qui sont extra propres par rapport à avant où c'était quand même très saccadé. On voyait que c'était des gros pixels qui bougeaient. Là, au moins, c'est propre. Ouh, du lance-flamme, ça. Lance-flamme, on va vite le faire à la Jeep. Et on va se faire un centre de réparation également. Les deux tanks, ils vont se charger. Ah, les deux tanks. Donc, ces petits tanks du Node, hein, ils feront pas le poids quand même contre deux du GDI. Alors, ça, c'est. Ça c'est un véhicule lance-flamme, il fait très très mal contre l'infanterie. Cramez-le bien lui. Voilà, nickel. Wow. Belle attaque qu'ils nous ont fait là. Et toi, ben, viens ici, commence à débouler ce qu'on va te réparer direct. Qu'est-ce qu'on préfère? J'ai pas assez de champ de vision pour faire un orca. On va ressortir deux petits éclaireurs. La caserne, on va arrêter. On va jouer uniquement véhicule. Hein, parce qu'entre les lance-flammes à pied du node et les lance-flammes, enfin les véhicules lance-flammes, les unités tombent trop vite. C'est vraiment pas un risque à prendre. Ils ont aussi leur petit lance-patate là, le véhicule qui lance des boulettes, qui fait des gros dégâts de zone et qui est aussi un anti-infanterie par excellence. Enfin, quand on joue le node, jouer avec de l'infanterie. Bah, bonne chance. C'est très compliqué. On a encore pas mal de tiberium, ça c'est une bonne chose. On va se ressortir encore un tank. Et on va commencer à sortir également un orca. Budget insuffisant. Je vais attendre que le tank sorte et puis on ira explorer un petit peu au nord, voir ce qu'on a de beau. Construction terminée. Ah bien, que ça je prends poser deux ici. On va en mettre un. Et voilà l'orca chargé de missiles. Alors que je vous montre, est-ce que je pourrais attaquer lui? Est-ce que j'ai pas mieux à faire? Que ça se recharge très vite, hein. Ça fait beaucoup de va-et-vient. Le tank qui va sortir sous peu. Allez, on va explorer un peu ici, là, voir ce qu'on a. Ok, parfait. Donc là, on a l'orca, justement, on va l'utiliser. Je vais venir attaquer le tank. L'orca, on va le mettre dans un groupe 1 à part. Ouais, alors, sur les véhicules en mouvement, c'est pas terrible. Je vous l'annonce. C'est bien contre les tourelles, c'est bien contre les véhicules quand ils sont stabilisés, posés. Est-ce qu'on en fait un deuxième? Parce que qu'est-ce qu'il coûte? Au niveau des tanks, j'en ai trois. Allez, on va s'en faire deux quand même. Ok, donc là, on avait le tank. Pas de souci, on récupère l'orca, on lui fait attaquer. Voilà, terminé. Ça les deux, on les récupère, on les met dans le groupe 1. Et comme ça je sais, je peux faire un petit combo. Exploration, attaque. Et voilà, il est déjà chargé, hein. Après son attaque ça allait très vite. On va essayer de prendre ce pont là, voir ce qui se passe un peu. Ah bah les rebelotes. Toi Elon, toi. Ah mince, ah, j'aurais pas dû le faire passer là. Voilà, fini. Silo nécessaire. Silo nécessaire. Comment ça? On va ça refaire deux jeeps, un tank. Ou plutôt un tank, une jeep. Celle que j'ai perdue. Et on va continuer d'explorer. Ok, donc là il y a vraiment rien. Je me demande, c'est super curieux d'ailleurs. Ah, on a un bout de base. Oh, des tanks, hors cargo. Attends, je vais vite essayer de revenir ici. On va les faire monter là. Je suis prêt, j'attends les ordres.
Parce qu'on peut les sortir à part sans base, mais ils coûtent 1002. Donc avec une base, en gros la base coûte 300. C'est pas ça qui fait mal. Hein. Alors par contre, si je repose un, je vais sûrement refaire une petite centrale derrière. Et puis let's go, on continue, on explore, on va voir un peu où est-ce qu'ils se planquent. J'aimerais bien choper leur collecteur. Ah bah. Oh, il y a une belle attaque. Une belle attaque qui arrive. Et toi, tu peux vite revenir. Ok, déjà. Un orca qui est tombé. On va ressortir encore deux tanks. Allez, recharger vite, 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 vite. J'aimerais bien détruire celui-là, là. Notre base est attaquée. Lui, on peut le réparer, bon c'est passé, hein. Ça va pas mal. Bon, les tanks solides, ça bouge pas, c'est vraiment classe. On va prendre les orcas, on va s'attaquer une tourelle. Et avec 3 sur un élément fixe, vous verrez, ça va vite tomber. Voilà, normalement avec 3 orcas je fais tomber une tourelle. Bon, bah, on commence à avoir pas mal de fond. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas grand chose, hein. Hormis faire encore un full tank. Parce qu'ils sont tellement tellement forts à côté de d'une petite jeep. Alors, la jeep va bien pour explorer, ça on l'a vu. Budget insuffisant. Donc là on a du Tiberium. Allez hop, toi tu viens m'attaquer ça. Ah, il y avait vraiment que cet emplacement à prendre, hein. Fallait longer la plage et pas passer et faire un tout droit. Toi, là, toi, tu peux ressortir tranquille. Ah, il y a leur collecteur. Ah, je vais pouvoir le... Il va falloir qu'il recharge un peu. On va les faire attaquer le collecteur. Meurs vite avant qu'il reparte. Comme ça, lui a enlevé la moitié. Je peux refaire un va-et-vient. Ça va être terminé pour lui. Nos troupes, on va les positionner par ici. Parce que ça va être à peu près la seule entrée. On va rien avoir d'autre. Est-ce qu'il va tomber? Oui, il va tomber. Oui, il y a gros qui arrive. Voilà, sous les roues. Ok, l'entrée elle est vraiment ici. On est en bout de map là, hein. C'est vraiment pas grand chose d'autre. Hein. On va rentrer dans leur base. Ah, ils ont un obélisque. Ok, donc le collecteur revient. Silo nécessaire. On va se les placer par ici. Sortez-moi des tanks encore. On va juste attendre qu'ils soient un petit peu loin de leur missile SAM là. Qui risque de dérouiller nos orcas. Ah, ils ont deux collecteurs maintenant. Eh ben, on va les choper direct. On va se les choper. Hein. On va se mettre ici. Finalement, on va les fermer là. Ça, ça coupera absolument tout. Écrasez-moi tout ça là. Allez, redescendez vite. Parce que là, on va prendre cher. Ah, j'en ai perdu un. Lui, on va vite le sauver. On va remonter nos deux tanks tout neufs. Qui a tombé vite, 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 vite. Ah, il va pas tomber. Dommage, dommage. Allez, on remonte. On les écrase.
Attends, je crois que tu tombes. Ah merde, il est tombé, ça c'est bien dommage. Du coup, je serais bien dérangé, parce que je suppose que des missiles SAM, là, comme ça, il y en a aux quatre coins de la base, comme d'habitude. Ils ont toujours deux petites tours, un obélisque. Ça, c'est un grand classique chez eux. Je vais tout mettre en retrait, lui. Voilà, on se met comme ça. Oh, il a fait le move et il m'a débarrassé des... Ah, on prend une boulette. Ouais, ça en prend une. Allez, tapez bien sur le collecteur. Vite, 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 faut qu'il tombe lui. Faut surtout pas qu'il remonte. Parfait. Allez, on va redescendre là. On va se ressortir. Deux tanks. Lui, il est réparé. Toi, tu peux monter ici. Les tanks, faut tout le temps qu'ils soient en mouvement. Hein. C'est attaque, clic, comme ça, ça laisse des chances d'étaler quelques... Il met trop de dégâts. On va se laisser les plus blessés en retrait comme d'habitude pour éviter qu'ils prennent des patates. Il y a une file d'attente chez le médecin là. Chez le garagiste. Allez hop. Bon, je commence à avoir pas mal de tanks. Hein. Ça en fait 7, 8, 9, 10. Une fois qu'ils seront tous réparés, on va même pouvoir en sortir encore un autre. Parce que j'ai un deuxième collecteur qui est ici. Et puis je vois plus beaucoup d'unités qui arrivent. Je vois même pas d'ailleurs de collecteurs qui redescendent. Donc je pense qu'ils doivent être limités par leur avion. Donc là, quand c'est ça, généralement, qu'il y a un petit temps mort, je remets en vitesse très rapide. Parce qu'en très rapide, c'est assez difficile de faire du multitâche sans trop se louper. Et tu vas pouvoir être réparé. Par contre, sur les temps morts comme ça, au moins, les collecteurs, ils partent pas de temps, ils carburent, ils vont à fond. Mais là, il n'y a plus rien. C'est village fantôme, même l'infanterie, il y en a peut-être un petit peu qui doit rester aux abords de leur caserne, mais... Là, j'ai 13 tanks. Ouais, 13 tanks, c'est assez bien. Ça ira même très bien, ça va être lourd. On va se remettre en vitesse normale. Puis ben let's go, on y va. Allez, rentrez, vite. Tapez dessus. Oh, il l'a revendu. Qu'est-ce qu'il se dit? Je sais pas quoi d'ailleurs. Allez, on avance. Hein. La main du node. On va taper fort dessus. Voilà ce qui se passe. Allez, venez bien taper dessus. Je crois qu'il y avait une touche. Ah, faudrait que je la retrouve, ça peut être super. Ça, il y avait une touche de déplacement pour lui dire attaque-le pas, mais déplace-toi dessus. Ah, je sais plus, il faut que je la retrouve. Ah, yes, là c'est le fameux agent Delphi qu'il faut que je rejoigne. Bougez ça, j'ai l'avion prêt, les frappes aériennes. On va se la mettre là-dessus. On va s'éloigner un peu. Ça, je sais plus si on a eu l'occasion d'en voir. Les renforts sont arrivés. Ah voilà, fallait juste s'approcher. Et ben, il y a quand même sacrément de la mission, hein, parce que niveau des véhicules, tout ça, on a encore beaucoup à voir. Ouais, je sais plus, dans la campagne, je crois qu'il doit y avoir 25 missions, là c'est la 10e, enfin, c'est long, hein, c'est très très long. D'autant plus que les missions se font rarement en un coup. Et ben voilà, mission accomplie, encore. Ah, elles sont pixelisées, ça. Encore quand c'était filmé avec les acteurs, c'est pas très beau. Mais là, c'était des rendus graphiques d'il y a 25 ans. Pas top. Hein. Bon, alors, niveau de l'Europe, là, on commence à bien reprendre du territoire. On récupère tout ça. Donc là, ça commence à sentir la fin pour eux. Sélectionner un territoire. Eh ben, on va plutôt prendre celui-là. Ce gros morceau, la Bulgarie, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.